Faut cliquer sur quoi après? Plus reboot. De quoi faut cliquer sur quoi? Alors. De quoi la mission? Ah c'est bon. Détaille-moi. Non c'est bon, c'est bon. J'ai pas ce qu'il fallait faire. C'est bon, il fallait juste. Vas-y, va vraiment, tu dois avoir des missions en bas à gauche. T'en as là ou pas? Attends, barre-toi, va tu vois. Ah merde. Vas-y, je le reporte, vas-y, parle, fais la rage. Non, je sais pas où il était le corps. D'abord. Va niquer ton père, ce fils de pute, va putain. Chez Nash, équipe, sale connard. T'es con ou quoi, toi? Quoi? T'as pas parlé sur ce ton, Nash? J'ai écrit, mec. Bah, si, non, mais en fait, j'ai vu Nash qui l'a tué devant moi, en fait. Bah, en même temps, il m'a tué, donc je sais que c'est lui, hein, les gars. Mais Moxy, t'es con ou quoi? Quoi? T'es mort, pourquoi tu parles? Ah merde, attendez, j'allais pas. Excusez-moi, Bon, déjà, c'est qui, hein? Nash, désolé. Oh la Nash. Bon, Renoir, ouais. C'est pas parce que t'es noir, mais. C'est pas parce que t'es noir. Vote, dépêche. Mais non. Bien Titeuf, le Titeuf. Bien Titeuf, le Titeuf. Vous avez dit que c'était Nitrox, putain. Mais c'est Titeuf et Itchy, frère. Ah bon? Ouais, allez, casse-toi. Ça s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Bah ouais, c'est passé quoi? Bah ouais, j'ai pu répondre. J'aimerais savoir ce qui s'est passé là, parce que j'ai pas compris en fait. Moi, ça s'est passé tellement vite, mec. Bon, allez, Nitrox, je te banne, frère, ça dégage. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quoi? Les gars, j'ai fait une game avec lui, je ne pense pas que ce soit lui. Je vous assure que c'est pas lui. Je pense que c'est Renoir là qui a fait n'importe quoi là, putain. Je pense aussi. Pourquoi ça? Bah, ça se voit un petit peu sur ton visage, quoi, quelque part. Oh, ouais, j'ai un poster, comme dans Power Rangers. Oh non. Péon, vas-y, c'est toi, vas-y, vas-y. Comme nous possède. Ouais, si, j'étais paqué moi aussi, côté droit, avec les autres. Juste une petite question, Maxi et Nitrox, pourquoi deux micros et deux casques sont mieux en même temps? Non, ouais, c'est parce que moi, il y a ma mère dans ma chambre, en fait, je suis désolé. vous êtes pas sur TeamSpeak par hasard en même temps? Non. Je suis avant tout un joueur qui est très aguerri sur le jeu et je déteste le cheating. C'est bon, regarde. Essaye d'ouvrir une porte, tu prends pas. Essaye d'ouvrir une porte. Si, si, on veut. Attends, quoi? Ah si, ah non, regarde, elle se referme. C'est bon, il est bloqué. Mais du coup, il est bloqué à l'intérieur, le mec. Il est bloqué à l'intérieur, vraiment? Ouais, attends. Regarde, tu vois son corps à travers. Regarde. Bon, c'est qui cheat, là? Oh merde, Spotted. Oh, ça pue la merde. Il y a un cheater dans la game. Les portes sont impossibles à ouvrir, elles se referment. Ouais, parce que moi, je suis... Effectivement, j'étais bloqué, vu à travers la... Non, c'est qui le fils de pute qui s'amuse à faire ça, les gars, sans déconner? C'est ce moment, la personne qui est avec moi. Il y a des cheaters moi, sur le jeu. Il y en a plein. C'est vraiment des cheaters sur le jeu, en France. Donc, désolé pour les morts. Attends, mais parlez, dites les pseudos. Regarde, j'ai fait finir le vote. J'en suis sûr, c'est lui. Il se passe quoi là? On a pas le temps de débattre. Mais voilà, il y a un cheater, Les gars, c'est peut-être un bug, non? C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Attendez, il y a un mec qui a quitté, peut-être qu'il s'était. Non, je pense pas que ce soit Nitrox parce que tout à l'heure je fais l'émission avec lui. Bon, allez, moi je vais me casser parce que là c'est n'importe quoi, les gars. Vraiment, les gars, vous avez pas de vie. Ouais, vas-y, go quitter. Ouais, on quitte, on relance. Ta mère, Nitrox, toi. Comment ça, Nitrox, t'es vraiment con. Hein. Oh, ta gueule avec ta voix de. Hey. Vas-y, les gars, j'ai recringé. Tu parles à qui, les là? Les gars, oh, mais en plus, il a une voix de gros teub. Termine. Gros, c'est un Among Us totalement normal, mais disons, les. Comment dire, l'imposteur vision est de 0,25x, les chromates vision est de 0,75. Salut. Et le player speed est de 3x3. Arrête tes conneries là. Jouons une game partie normale. Oui, t'as tes conneries là. Va t'amuser ailleurs. Si c'est pour faire n'importe quoi sur le Discord. Je te rappelle que c'est un Discord communautaire. Idiot que tu es, quoi. Ah là là. Bonjour. Mais vraiment pas jouer. Non, mais moi je suis un puriste. Je suis un puriste. Personne avec qui jouer. D'accord. Ouais, c'est ça. Allez, ravale ta rancœur et dégage avec ton pote là, Ultranat. Là, à foutre le bordel. Oh, calme-toi. Oh, je vais mettre les vrais réglages de base. Oh. Ok, c'est bon alors, ça va. Oh, putain. Restez. Bloqué où j'étais juste.
Non, mais ça c'est facile l'excuse d'être débutant, j'en ai, je commence à en avoir marre quoi, Sarah, sérieux quoi. Alors les gars, et puis pareil, je vais dire un autre truc, tu peux commencer à droite en fait. Il suffit qu'au moment où t'as le... Ouais. Laisse-moi parler, quand t'as le truc qui est chute, tu peux déjà te déplacer sur la map, donc si elle appuyait sur la droite, t'allais déjà à droite ou moins avant toi quoi. DMG termine là, s'il te plaît. Parce que ma tablette, elle était sur l'autre côté du coup. Ouais, c'est ça, bon, va te faire éclater ton image et on va toi, on a compris que c'était toi la chose. Non mais j'ai déjà eu ton bug et le bug il est vrai. Attends, c'est qui qui a parlé, mais ça me paraissait un peu violent là, non? C'est Spark ou Fouin, non? Non, je crois que c'est Pino, c'est juste en dessous de moi. À quel moment je vais prendre les vents devant vous? Non, c'est pas Pino, pour moi c'est Spark ou Fouin là. Il ouvre sa gueule comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est lequel la couleur de Spark ou Fouin qu'on jarte histoire qu'il puisse parler correctement? Peut-être apprendre la politesse. Bah, c'est Mooncake du coup. Dis rien. Mooncake, Sarah. Skip maintenant, vas-y. Non, parce que j'ai pas vu vent. C'est un logiciel de triche, vraiment. Non, je crois que c'est un bug. J'ai déjà vu les gens qui les votes. En vrai, même moi, j'avais 1000 de ping. S'il vous plaît, reprise. Non, le problème, c'est que je peux plus parler. Parce que le mec, il demandait si c'était Spark ou Fouin qui a parlé. Du coup, je peux plus parler, là, elle me crame. Ouais, non, mais t'as eu raison, mais là, on va... Oh putain. Dis-moi quand j'ai skippé, dis-moi. Non, pas mal. À l'admin. Du coup, je suis remontée quand j'ai été à l'électrique. Et eh ben, il y avait le corps du noir. Le corps du quoi? Du personnage noir, ça serait mieux. La Covid. Non, faut pas dire. Ouais. La Covid est actuellement. Ouais, voilà. Ouais, on parle d'un jeu. Non, mais je sais bien parce que j'ai eu des soucis avec ça. Je dis des couleurs. Voilà, la couleur. Ouais. Tu l'as vu dans quelle couleur? Et moi, je t'ai vu descendre. Sarah, tu l'as vu dans quelle couleur? Pas tout. Ouais, tu t'embrouilles beaucoup quand même, Sarah, hein, depuis tout à l'heure. Elle fait un peu la candide, mais je pense que c'est une joueuse expérimentée, les gars. Je propose qu'on vote contre elle. Moi, elle m'a l'air sous spot. On fait quoi, les gars? Covid ou elle? Covid. Ou bien choisir un, de façon, là. On skip et pas si sur... Ah ouais? On skip et on va... J'ai une mission, là. Vas-y, je t'attends. Moi j'étais bien avant, je suis pas sûr. Personnellement, je t'ai pas croisé depuis le début, Covid, tu me parais louche, il y a eu des soupçons te concernant. Et comme par hasard, derrière elle est morte, la jeune demoiselle. Donc moi je propose qu'on vote Covid, voilà. Je suis d'accord avec ça. Laisse-moi parler. Vas-y. Il reste encore 80 secondes. J'étais cafétéria. Alors oui, je suis allé pour désactiver le problème au réacteur avec les autres. Ensuite, je suis allé security pendant genre 10 secondes, j'ai regardé les caméras et tout, et je me suis dit, bon, ça sert à rien de rester là, il y a quelqu'un déjà qui surveille, puis bon, je voulais pas rester tout seul avec quelqu'un. Du coup, je me suis dit, je vais faire mes petites missions ailleurs, et je me suis dit... Arrête tes conneries, c'est bon les gars, perdez pas de temps, votez-moi ça, là. Allez, ça dégage, tu sors du vaisseau, petit con. Je te trouve un peu énervé quand même. Ouais, peut-être énervé, mais depuis tout à l'heure, ça tient pas, attends, je vais pas me la faire. Ça tient pas, je viens à peine de commencer à parler, je te laisse la parole et tout, laissez-moi parler. Allez, vers Navier, si on voulait finir le vote pendant qu'il parle, et tu les défermes ta gueule. Tranquillement, je fais ma route. Est-ce que Mooncake, est-ce que t'as vu Covid? Allez, bah ouais, voilà, comme ça il va se la fermer, c'est bon, il dégage, allez ta gueule. Reprise. Pino, peut-être c'est le freeport. Reprise. J'étais seul. Ah. Ouais, elle aurait jamais dû dire. Enfin même. Elle aurait pas dû dire que c'était l'imposteur quand elle a bugué. Elle a fait zéro kill, elle faisait rien, elle faisait que me suivre, c'était impossible. Là, tu parles de la demoiselle, bah, elle est partie d'ailleurs. Oui, elle est partie. Mais quelle grognasse, mais quelle conne celle-là. Je la sentais pas. Ouais. Merde, il m'a buté. Déjà. Vous êtes des malades, les gars. Juste avant de tuer. Le seul qui a pas fait ses clés, le seul sur qui il a fait ses clés. Ça peut être un self report, moi je dis, mais tranquille. Non, c'est Azan. C'est qui a tué devant toi, t'as dit? C'est Azan. Mais tu fais de la merde, gros, je suis parti. Les gars, on fait 50-50, on commence à voter Hostie et ensuite Azan. Et pourquoi moi? Tu serais pas son pote? On commence par Hostie parce qu'il a commencé à voter. Je te dis que c'est lui, ferme ta grand-mère, je te dis que c'est Azan. Ouais, je suis pas. Pour la peine, tu le. Il est trop fort. Non, mais c'est un gros rageux. Mais je te dis que c'est Azan, ta grand-mère. Mais gros, mais attends, mais par contre, après vous piquez du Discord, les gars. Kiké aussi, Kiké. Ouais, mais attends, mais je sais pas. Allez, je vous ruine votre game, bande de fils de pute. Ouais, j'ai mis skip, Les gars, c'est Staline qui m'a tué, les gars, je préfère vous le dire. Il a commencé à venir troll la game, donc qu'est-ce que tu racontes? Si, c'est toi, ferme ta gueule. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Les gars, arrêtez d'insulter. Vas-y, vas-y, je sais, parce que c'est moi qui suis mort, donc je sais très bien qui m'a tué. Vas-y, gros, tu veux que je te fasse un partage, tu veux que je te fasse un stream? Vas-y, balance ton stream, fils de... Vas-y,
moi j'ai Anna ou en E, la Mac. Quoi, c'est quoi, c'est Titeuf ou quoi qui parle? Moi ça c'est Titeuf, ta grand-mère. Non mais c'est sûr, dès qu'il parle, tout le monde livre. T'as vrai voix. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde parle? Je vais prendre ta grosse daronne, je vais la mettre dans ma cage, je vais la faire spinbot cette chienne. Allez, bien envoyé, c'est bien joué, gamin. Je te laisse pas faire, c'est des connards qui jugent ta voix. Alors on en ramène-moi ta grande gueule là, Nicolas, hein. Petit con. C'est Alfonso qui parle. Alfonso, on t'entend point. On entend moins ta grande gueule, connard. Moi, tu m'insultes de connard. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est un mec du Nord en police. C'est impossible devant cette voix. Je suis normal. Merde. Ça va, c'est bon. Va, c'est bon. Attends, y a un truc à droite, une mission. Je suis avec toi, je te suis. Qui c'est qui appuie? T'as une mission, là? Ouais. Vas-y. Y'a Revan. Ouais, c'est bon. C'est bon, faut réparer, hein. Alors, en fait, on était tous collés à une porte et il y a eu un kill. Et il y a eu quelqu'un qui a tué. Du coup, j'ai vu le corps tomber, j'ai report quoi, parce que du coup, c'est moi qui ai report. Je peux innocenter Anna parce que je suis sûr qu'elle ferait pas une connerie comme ça dès le début du jeu. Enfin, dans un tas, elle ferait pas ça. Non, mais tu vas pas te la jouer chevalier blanc parce que c'est une demoiselle. Arrête tes conneries toi aussi. Mais toi, tu vas dégager connard aussi, parle meilleur un peu, non? Oh, non, mais je parle normalement. Je dis voilà, parce que c'est une tactique aussi qui marche très bien. Oui, oui, non, mais attends, bah, attends, je la connais, on vient de commencer le jeu. C'est pour ça, genre. Internet, mais vous avez pas d'affinité propre, je veux dire. C'est mon mec, on est ensemble. Qu'est-ce que tu viens de parler sans connaître? Mon mec, donc il me connaît par cœur en fait. Ouais, enfin il te connaît par cœur, il connaît ça. Juste tes parties génitales, sinon dans la tête. Mais c'est quoi? On procède au vote. Eh gros fils de pute, tu dégages. Genre, calme-toi. Dis que ta mère, la pute, tu te casses de là, gros PD. Attends, tu prends le pied là. Casse-toi de là, gros PD. Calme-toi. C'est qui le mec? Calme-toi. Allez, tu dégages, gros PD. Bloquez-le là. Ouais, c'est moi, là. On l'exclut, là, c'est bon. C'est la première partie, il parle mal. S'il vous plaît, Alan, il y a un problème. T'as dit que tu connaissais ta meuf par cœur, sauf que c'est elle l'imposteur, donc j'ai l'impression que t'es un peu. Mais de quoi c'est moi l'imposteur? C'est qui parle là? Grand-mère, et fais-toi éclater la chatte en 12 heures. Eh ben écoute, peut-être que moi je me fais gâcher la chatte, mais tu peux un puceau de 12 ans, donc tu fermes ta gueule un peu. Moi le rapport, écoute-moi. Reportez tous Husty et Anko pour manque de respect, s'il vous plaît. Comment ça, manque de respect? Attends, tu sais, je suis père de famille, moi, donc tu me manques pas de respect. Je préviens. Oui. Et tu parles comme ça. Mais mec, loue ton respect au bout d'un moment. Je respecte. Arrête. J'ai simplement dit que c'est une tactique qui marche. Mais respect, t'as vu comment t'as parlé tout à l'heure? Je suis un respect là. Il a pas insulté. T'es père de. T'es père de famille, bah d'accord, ok, mais au bout d'un moment, imagine, tu dis ça à ton beau-fils quand ta fille elle a un enfant. Ça m'arrive, j'ai mon petit cousin, le fils. Bah d'accord, ok, t'as ça, mais je suis désolée, tu me connais pas, donc t'as pas à dire ça en fait, c'est de l'irrespect total. Tiens ton mec alors, tiens ta femme et tiens ton mec aussi également. C'est quoi, je préfère quitter? Ok, j'étais imposteur, je préfère quitter au lieu de rester avec un gros connard comme ça. Peut-être que je suis imposteur, mec, t'es un mec irrespectueux. Bon, je vote, c'est qui elle? Allez, hop, enfin une partie de gagner. Non, mais c'est, attendez, vous êtes d'accord avec moi, les gars? L'histoire de ouais, on est en couple et tout, on se connaît bien. Non. Ah, mais tu vois, comme quoi on avait raison, hein. Peut-être qu'ils sont en couple, c'était l'imposteur, et son mec il est même pas beau. On s'en bat les couilles. Oui, mais bon, le problème, c'est que moi, je connais toutes les stratégies de ce jeu. En disant, ouais, on essaie de protéger la petite gonzesse, etc., pour faire style. Ah non, faut arrêter. Arrêtons. Qui c'est qui bouge comme un chien, là, les gars? Va te faire enculer. Pardon? Je sais pas c'est lequel, mais juste... Attends, il s'adresse à qui, là, le jeune, là? Je sais pas à qui il s'adresse, Non, je sais pas, attends. Ah putain, dommage ça. Renda, tu m'expliques pourquoi t'as pas vu le corps? Le méchant pourra voir que je suis arrivé et qu'il y avait un corps. J'ai la suite gauche pour être sûr. Et quand je suis arrivé, j'arrive d'en haut, je vois Brenda arriver en bas et je vois le corps devant les fils électriques. Devant les fils électriques? Non mais sérieux, pourquoi tu parles avec un balai dans le cul? En plus, il parle depuis tout à l'heure quoi. Insupportable quoi, t'es lent. Bien sûr que j'ai pas fait. Bon, allez, on va jouer. Au début, t'as dit quel corps quand même après ça? Bien sûr, je vais acheter du quinoa demain matin. Non mais arrête avec ta voix, gros. Non, bien sûr, je vais planter mes graines moi-même sur mon balcon. Non mais c'est toi, c'est toi la petite raison. Arrête, t'es juste sur la voix, par contre. Bah oui, mais bon... Et si on fait toute l'émission? Attends, y'a un mec derrière, fais attention, gros. Va. Non, c'est bon. Là.
Oh bon. La seule fois où je suis à droite de la game, c'est au tout début quand j'ai fait chier. Non, mais arrête, arrête. Ouais, mais là, le corps, il est électrical, en fait. Le problème, c'est que le corps est à côté de toi. Attends. Je viens, Anko et Usti viennent de me voir faire le truc de d'essence de Upper and Dry. Non, on t'a pas vu. On t'a pas vu. Mais vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Non, mais je te jure, toi, tu vas finir le lendemain au Biocop ou à Naturalia. Tu me commences à m'énerver avec ta voix. Parle normalement, sérieux. On peut faire la motion. Regarde, on va là. Ouais. Là, regarde. Quel est-ce que ça ressemble ? Ouais. Ah ouais, la caméra. Trop bien. Donc là, notre stratégie, là, on dit quoi ? On balance qui ? Faut qu'on ait, on ait une stratégie, con. Juste avant. Ouais, faut qu'on... Déjà, on regarde. Attends, peut-être qu'on... On micro, on vote. On fait en sorte que même si c'est pas lui, on banne. Ouais, vas-y. On dit qu'on l'avait dans une vente. Ouais, vas-y. Vas-y, va. Bon, bah alors, les images parlent d'elles-mêmes, hein, les gars. Je te laisse la parole, vu que t'es avec moi dans la salle de caméra de surveillance, vas-y. J'étais caméra pendant toute la partie avec le mec qui s'appelle Alan, enfin Anko, et on a vu Ronan prendre une vente. Et je peux savoir quelle vente j'ai pris ? La vente, celle qui est du côté de droite, quand tu descends. Au-dessus de la droite. Donc à plus, bon. Ronan... Attends, bah, salut, quelle laquelle j'ai pris ? Attends, mais j'explique mon parcours, là, avant que... Bah, explique ton parcours, mais pas avec ta... Ouais, vas-y, parle normalement. Oh, tu sais quoi, voter pour moi, finalement ? Allez, hop, on vote pour lui, les mecs, c'est bon, ça veut dire que c'est cramé, les gars, c'est bon. Non mais votez pour moi en fait. Mais ça, on juge pas sur l'avant, on l'avait pris une vente. Moi je l'avais pris une vente. Non mais pour toi je suis d'accord, mais là t'as abusé un peu avec toi, au moins ça devient lourd quoi en fait. Allez dégage, allez va dans l'espace, va te prendre une météorite dans la gueule. Attends, tu vas te laisser faire et t'as insulté de fils de pote, heureux. Faut pas répondre justement, faut pas répondre là.